L'infiltration du fléchisseur propre de l'hallux se fait en utilisant une voie postérieure longitudinale. L'injection se fait en position médiale par rapport au tendon achilléen jusqu'à la gaine du fléchisseur propre de l'hallux. Certaines équipes infiltrent ce fléchisseur de l'hallux en passant par voie latérale. La position de la sonde est la même. Par contre, l'introduction de l'aiguille se fait latéralement, toujours en visant le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Voici l'image correspondante à un abord médial.